Et je vous invite à être attentif. Nous allons inviter les présidents qui clore l'activité. Merci, président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous allons. Quand MK va recevoir, c'est quand nous jouons à domicile. Première des couleurs que MK met. Nous avons. C'est bon. La varice est rouge et or, ou en rouge, avec une bande nuancée en jaune. Voilà la première couleur que MK mettra à domicile. C'est celle-ci, quand on recevra à domicile. Nous avons la deuxième couleur qu'on mettra. C'est le maillot. Cette varèse, c'est quand MK est reçu. Et nous avons la couleur intermédiaire. Qui est en vieux ciel, comme maillot. Bleu de nuit. La culotte. Bleu ciel. Et les bas bleu ciel. Merci. Et nous continuons parce que là, c'est les surmonts, les couleurs et tout le derrière est en noir. Tous, les trois. Équipement de réchauffement. On a présenté qu'une seule couleur parce que nous en avons trois. Les rouges, l'orange. Ça dépend pendant la réunion technique quelle est la couleur que nous mettons pour changer en couleur. Celle que vous voyez, c'est quand nous sommes en déplacement parce que nous avons deux matchs que nous allons jouer à l'extérieur et c'est ce que les joueurs mettront pendant les réunions de la manière dont vous voyez. Non, c'est bien. La présentation de nos équipements pour cette saison, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Président. Il n'y a pas un souci majeur avec EREA. Je l'ai dit, ça fait 15 ans qu'on s'habille toujours. Et aujourd'hui, si vous trouvez qu'il y a certains avantages qui peuvent arriver à être mis à la disposition du club, et si ces avantages sont là, je crois que vous n'allez pas hésiter. Nous avons comparé certains avantages d'une manière interne. On s'est rendu compte que voilà, nous pouvons arriver à signer avec l'équipementier. Ce n'est pas un problème. Mais nous gardons toujours nos relations d'affaires avec EREA.